Salut YouTube et bienvenue pour cette petite vidéo spéciale qui n'est pas techniquement présentée comme une astuce kabak si ce n'est se lancer un petit défi personnel que je me suis lancé d'ailleurs. Donc aujourd'hui on va se diriger sur le labyrinthe du dragon cochon. Le dragon cochon est un gardien de donjon, son niveau minimum est le niveau 100 et donc son niveau maximum va jusqu'au niveau 120. Pour le prix de la clé de l'antre du dragon cochon, vous en aurez à peu près pour 400 kama. Pour la clé du labyrinthe, là on approche un petit peu les 4500 kama unités. En effet, cette clé est un petit peu difficile à crafter. Au niveau des pierres de capture d'âme, il vous faudra, si vous avez un petit DC, donc vraiment le plus petit, une pierre niveau 100 suffira, donc la moyenne pierre d'âme heureuse à 7500 kama unités, mais passer ce niveau, il vous faudra prendre le modèle au-dessus, soit la niveau 150 pour 10500 kama unités. Elle se vend généralement aux environs de 30 000 kama à l'HDV de l'arène. Et quand vous voulez la refaire en arène, ce que je vous conseille clairement de faire, même si le prix varie très légèrement, hein, la majeure partie du temps ça va être 5000 kama à la place, donc soit x7, 35 000 kama, mais vous avez quand même la possibilité de dropper le Dofus turquoise. En parlant du Dofus turquoise, son taux de drop sur le dragon cochon est de 0,02% pour un seuil de 800 pp. Mais, je vous en parle également, vous pouvez aussi obtenir le Dofus turquoise sur le Shenmue. Le Shenmue qui a un taux de 0,01% pour 800 de prospection, donc le seuil qui permet de débloquer son drop. Et là, moi je vous pose la question, est-ce que quelqu'un sait pourquoi sur le Shenmue qui est plus difficile que le dragon cochon, le taux de drop est divisé par 2? Je n'ai jamais compris, donc si jamais quelqu'un peut me le dire, ça serait vraiment gentil. No spoil, hein, mais la prochaine vidéo que vous verrez pop avec le DC sera certainement un drop de l'un de ces fameux Dofus turquoise. Dofus turquoise qui, je le rappelle, a un jet de plus 11 coups critiques jusqu'au plus 20, aléatoire évidemment, et avec la chance déjà de ne pas le dropper, le premier qui va tomber sera certainement un plus 11. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde!